to live my own life. Follow my own path. I wished for things to change, and that's the problem. Seems I unleashed a wee tiny ancient curse. I'll do anything to make things right again and save the kingdom. I just have to be brave. Is that Chibi a real girl? Yes, it's computer animation and it's a fantasy in a faraway Scotland, but she has no magical powers of her own. She is not any sort of superhero. She is good with her bow and arrow because she practices and is dedicated and disciplined. She is flawed. She is not perfect and she makes some big mistakes. She creates her own problems. She has to solve her own problems. She's difficult to get along with, obviously for her mother, and she causes a great rift. We wanted to create somebody who was rounded and had, some real adolescent qualities rather than someone perfect where the circumstances around her were the problem. And so that was a point of great importance to us. Alors voilà, c'est vrai qu'aussi pour nous c'était très très important que notre personnage soit une vraie adolescente, une vraie fille en quelque sorte. Alors bien sûr, nous sommes dans le monde de l'animation, bien sûr, nous sommes dans une Écosse un peu évidemment magique, mais ce qui est très important c'est qu'elle n'a pas de pouvoir, de super pouvoir, ce n'est pas une super héroïne. Si elle est une aussi bonne archère, eh bien c'est parce qu'elle pratique, elle est disciplinée. Elle le fait vraiment, donc ce n'est pas un pouvoir qu'on lui octroie. Et puis elle a plein de défauts, elle n'est pas parfaite. Et justement, souvent elle est même la cause des problèmes qu'elle attribue aux autres. Et donc ce qui est très important, ce qui était important dès le départ, c'est qu'on en fasse un personnage extrêmement complexe, avec des qualités d'adolescent et avec donc des imperfections. Contrairement à un autre point de vue qui aurait été « elle est parfaite et c'est le monde autour d'elle qui pose problème ». Non, là, c'est un autre point de vue et c'est ça qui nous intéressait. Alors, question, oui, le micro. Bonsoir, merci pour le film. Alors, je voulais savoir, qu'auraient pensé est-ce que vos mamans ont vu le film et qu'est-ce qu'elles en ont pensé? Et aussi, est-ce que vous ne trouvez pas que la relation entre la fille et la mère est très privilégiée? Et est-ce que les papas ne sont pas jaloux en voyant ce film? That's a cute one. Oh well, all right. So obviously, the mother-daughter relationship is very intense in your film. And there was the feeling. I mean, first of all, did your own mums see the film? What did they think of it? So that's first part of the question. What did your mom say if they saw the film? Yeah? What was their reaction? Come on, Catherine, what did your mom say? My mother cried, but I don't know if she was crying because of the theme of the film or because she was proud of me. But she's very sweet. She said she cried. What did your mom say? My mom stayed up with us after the premiere in LA and just drank. So I think that was a good thing. Donc vous l'avez compris, deux réactions très opposées. La maman de Catherine, eh bien, elle a pleuré. Alors je ne sais pas si elle a pleuré à cause de l'émotion et des thèmes du film ou bien parce qu'elle était fière de moi. En tout cas, elle a pleuré. Quant à la maman de Marc, vous l'avez compris, pendant le cinéma, elle a bu tout le temps. D'accord, so she was totally pissed at the end of Brave. All right. Wait, wait, wait. The way to see it. You're so, I love you, I'm so proud of you. Voilà. En Scottish accent dans le texte. Alors, the second part of the question, well, obviously, because it's such a privileged relationship, I mean, what about the dads? I mean, aren't they a bit, like, sort of jealous when they see that you privilege the mother-daughter relationship, according to the gentleman, anyway? Well, we've been very gratified with the response from the few audiences that have seen it, and the audiences in the United States who have already seen it, that they feel that it's relatable as a parent-child relationship, be it father-daughter, mother-daughter, mother-son, any of that, because it's still about the child and parent of any gender. Oui, alors en fait, nous avons vu, parce qu'évidemment le film est sorti aux États-Unis, où d'ailleurs il cartonne hein, comme numéro un, et tout le monde, et les gens qui l'ont vu ici, disent mais finalement, ce n'est pas tant le fait d'être une fille ou un garçon, mère, fille, etc. C'est avant tout les relations parents-enfants, c'est le lien parental lui-même qui ici, évidemment, est exploré. Voilà, autre question. Où est le micro? Ah, là-bas.
bonsoir. J'aurais une question sur le déroulement de la collaboration avec Patrick Doyle, le compositeur du film. And so let's talk music. What about Patrick Doyle? What's his input to the music? How did you work with it? Him and with the music. Patrick Doyle is fantastic. He's been doing films forever. The first film I ever encountered him, his music on, I was still in high school, it was Henry V. He was just breaking into the business with Kenneth Branagh. He's fantastic to work with. We sat down and we looked at the whole film, and I never once said, music here, music here, music here, music here. I just sat down and explained to him the themes and the motivations of the characters and kind of what I was doing thematically and story-wise to the movie. He went away and came back with all those themes that you heard. So I barely had to do any notes. I mean, it was done. He's fantastic. Alors voilà, en fait, c'est vrai que évidemment, Patrick Doyle, c'est une légende dans le monde de la musique. Il l'a rencontré évidemment avec Kenneth Branagh sur Henry V. Donc vraiment, c'est quelqu'un qui a exploré tous les genres. Et ce que j'ai fait avec lui, c'est que je me suis assis avec lui. On a regardé le film en entier. Et surtout, j'étais pas là en train de lui dire, alors là, je vois de la musique, là, j'en vois pas du tout. Je lui ai simplement expliqué les thèmes, expliqué la façon dont je voyais les personnages, dont je voyais le fil narratif se développer. Et puis il m'a laissé, il est parti, et quand il est revenu avec tous ses thèmes musicaux. Donc moi je n'ai franchement rien eu à faire, et il a été absolument extraordinaire. Yeah, I mean, I didn't want, because it's set in Scotland, I didn't want wall-to-wall bagpipes. I said, stay away from bagpipes as much as you can. I want it to sound ancient. You know, so he kind of took that to heart, and all the instrumentation that you hear is this, there's a Carnax in there, there's all different kinds of pipes, there's Uilleann pipes, which are Irish, there's the Pennywhistle, I mean, there's all kinds of the Celtic fiddle, Celtic harp, I mean, these stuff, and these players that play that traditional music that the London Symphony Orchestra, the LSO, don't do. So it just gave it that right sense of flavor, you know, and I think it came across really well. Oui, et puis évidemment aussi, ce que je lui avais dit simplement à un moment, c'est que, bon, surtout pas trop de cornemuse, hein, parce que là, on est quand même dans l'instrument ancien, on est au Moyen-Âge, donc effectivement des instruments qui étaient évidemment à l'époque les instruments celtes, la musique celte, c'était ça que l'on voulait, et puisque évidemment, on a pris des musiciens extraordinaires, parce que bon, les grands orchestres ne savent pas faire ce genre de choses, alors que là, il y avait un travail sur la musique par rapport évidemment aux temps anciens. Ancestraux et à la mythologie celte. Et c'est ça qui, je crois, a donné cette couleur et cette saveur musicale si particulière au film.